Dans un esprit de partage en ces fêtes de Noël, des personnes physiquement handicapées, malentendantes et muettes, ainsi que des personnes âgées ont pu recevoir ce jour différents présents. La distribution a eu lieu à la grande salle du Coliseum d'Antounzbé, un moment de joie pour ces personnes vulnérables. Les jours de fête sont également des jours de partage. C'est la raison de toute cette organisation, de ces dons que nous vous offrons avec un cœur rempli d'amour. Cette opération de partage a été dirigée par le service en charge des affaires sociales auprès de la présidence de la transition. 710 personnes vulnérables issues des différents Fouktang ont été les heureux bénéficiaires. Un geste qui témoigne, selon les personnes âgées, du respect et de la considération qui leur sont faits en ces périodes de festivité. Du sucre, du café, des biscuits, du lait, du riz, du sel. Bébé va enfin faire la fête cette année. Merci au président de la transition et sa femme de ne pas nous avoir laissés pour compte. C'est la première fois qu'on reçoit de telles considérations. Pourvu que les élections arrivent enfin, ils se déroulent le mieux pour qu'on sorte de cette crise. Je n'ai souvenir d'aucun régime prenant en considération les personnes âgées et les handicapés comme ce régime-là. Pourvu que la paix soit dans notre pays, mais également dans le monde, nous prions pour Madagascar. Ces personnes sont les représentants de ceux qui devraient recevoir des présents dans toute l'île. Leur sélection coïncide avec les actions sociales déjà réalisées par le service en charge des affaires sociales auprès de la présidence de la transition, outre la coopération avec les Fouktang de la capitale.